Depuis la rentrée 2021, Maya Loquet co-présente l'émission Télématin avec Damien Thévenot, sur France 2. Alors que ce sont Julia Vignali et Thomas Soto qui sont aux commandes de l'émission pendant la semaine, la journaliste et son acolyte prennent le relais du vendredi au dimanche. Un rythme qui semble bien lui convenir, comme elle a confié dans une interview accordée à Télé Loisirs et parue dans l'édition du lundi 21 novembre. En effet, la femme de 43 ans a expliqué que sa semaine débutait le mardi, en réfléchissant aux chroniques du week-end suivant mais aussi en découvrant les projets des invités pour l'interview culturelle. Si est du travail d'écriture, d'organisation et de réunion a expliqué la présentatrice. Maya Loquet, il me donne des petits mots-clés. Si Maya Loquet tient à rester bien organisée pendant la semaine, si est parce qu'elle est aussi la maman de deux enfants, Lucien, 7 ans, et Jeanne, 4 ans, qu'elle a eu avec son compagnon, le musicien Cyril Denis. Elle doit donc trouver du temps pour son travail, mais aussi pour sa vie de famille. Si est-il une question d'organisation, comme pour toutes les mamans qui se lèvent tôt et qui partent travailler. On profite du temps qu'on passe ensemble la semaine, et le reste du week-end a-t-elle confié. Et même quand elle est à l'antenne, la journaliste n'oublie pas ses enfants, qui n'hésitent pas à la mettre à l'épreuve. Parfois, ils me donnent des petits mots-clés à prononcer à l'antenne, cela les amuse a-t-elle raconté avec humour avant de poursuivre, il leur arrive de regarder l'émission et de se filmer devant. Je les appelle pendant les coupures publicitaires pour leur faire un bisou. Une belle manière de montrer son amour à sa famille, même au travail.